Merci pour votre présence ce soir pour cette deuxième partie sur la moralité des actes humains, où donc on a travaillé la semaine dernière sur les quelques numéros du catéchisme de l'Église catholique, donc 1749 à 1761. Et je voudrais qu'on pousse juste d'une page cette étude qui, dans cet article 5, s'appelle « La moralité des passions ». Parce qu'on a compris la semaine dernière, en travaillant ce texte très puissant, que en fait, tout est lié à la finalité. Nous avons vu que la fin ne justifie pas les moyens, mais que néanmoins, chacun de nos actes est appelé à être orienté vers la finalité. Or, la finalité, nous disons que c'est Dieu. Ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, par exemple, dans leur existence, on peut très bien leur dire que la finalité de leurs actes, c'est l'amour, c'est le bien. Et c'est là que cela rejoint la grande question de ce jeune homme dans l'Évangile qui dit « Bon maître, à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon. » Donc, grande question, maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Si plusieurs choses qu'on va voir ce soir. D'abord, c'est qu'effectivement, on a besoin de maître, et que l'Église, en l'occurrence, est mère et maîtresse de vérité pour nous permettre d'avancer sur le chemin de la vérité. C'est le sens de ces enseignements que je vous fais, de l'enseignement du magistère du pape, des évêques, de la tradition de l'Église et de tout ce que nous recevons de la révélation. C'est vraiment le cœur de l'Évangile où nous découvrons, en suivant Jésus, que l'intégralité des actes de Jésus est bon, y compris sa passion. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est extrêmement puissant pour nous aider, nous, à réfléchir à l'orientation donc de nos passions que nous avons, comme le Christ a eu des passions et comme il a vécu sa passion. Mais avant de pouvoir rentrer dans cette moralité des passions, je voudrais juste pouvoir évoquer avec vous un texte dont je soupçonne tristement que vous ne le connaissiez pas ou que vous n'en ayez qu'un tout petit peu entendu parler, qui est l'encyclique du pape Jean-Paul II qui s'appelle « Veritatis Splendor », la splendeur de la vérité. À voir vos visages, je comprends qu'effectivement ce texte est un livre de chevet et que vous passez votre temps face à cette somme magnifique à essayer de décortiquer cette encyclique qui, il faut le reconnaître, est un des textes les plus complexes du pontificat de Jean-Paul II parce qu'il arrive à travailler sur toute la question si actuelle de la subjectivité. On va essayer de travailler ça un petit peu ce soir. Juste en quelques mots, cette encyclique donc date du 6 août 1993. Et c'est là qu'on comprend pourquoi vous faites des mathématiques. Parce que 1993 moins 1968, ou plutôt 1993 moins 25, ça fait 1968. Et en 1968, il n'y a pas eu qu'une révolution estudiantine, mais il y a eu exactement le 6 août 1968, la publication par le pape Paul VI de l'encyclique Humanae Vitae, qui est le texte fondamental de l'Église, du magistère de l'Église, sur la régulation naturelle des naissances, c'est-à-dire sur l'orientation des couples à choisir l'arrivée de la vie dans sa dynamique naturelle par la régulation naturelle des naissances et non pas par l'utilisation moyens artificiels de régulation des naissances. Et je pense que c'est un document, c'est pas que je pense, c'est que j'en suis persuadé, je pense que ce document est en fait un point charnière de la fuite de l'Église catholique par bien des catholiques. Je pense que depuis 1968,
et depuis la proclamation de cette encyclique, l'écriture de cette encyclique, qu'un très grand nombre de catholiques ont décidé de ne plus être catholiques. C'est-à-dire de ne pas suivre volontairement l'enseignement de l'Église parce qu'ils ont considéré que leur sexualité conjugale était un acte subjectif qui ne pouvait pas être orienté, dirigé par l'enseignement de l'Église. Ceci dit, il faut aussi qu'on puisse comprendre que cette période des années 60-70 a été la fin d'une époque, et heureusement la fin d'une époque, où il n'était pas rare jusque dans les années 70 que ce soit le prêtre qui, allant visiter les familles, explique au couple qu'il était bon, qu'il serait bon qu'il puisse faire un autre enfant. Et que dans des familles parfois déjà très nombreuses ou parfois marquées par une très grande pauvreté, le poids spirituel et humain du prêtre venant visiter la maison était parole d'évangile. Et quand vous lisez aujourd'hui un certain nombre d'écrits de gens parmi les plus anticatholiques et les penseurs parmi les plus anticatholiques dans le monde aujourd'hui, la plupart du temps, leur anticatholicisme est né de l'intrusion de l'Église dans leur vie, y compris au cœur de leur sexualité et de la sexualité conjugale. Donc ce que Paul VI a voulu absolument faire en écrivant cette encyclique, donc en août 68, c'est de manifester à la fois la beauté de la vie, la liberté des couples, l'ouverture à la vie et la question de faire en sorte qu'il n'y ait aucun élément de notre vie qui ne soit habité par l'évangile du Christ, qui est une bonne nouvelle, y compris la question de la régulation des naissances et donc de l'obligation de la connaissance de ses propres rythmes féminin et des désirs masculins. Et donc de ce que l'on a appelé, à partir de ce moment-là notamment, la paternité responsable. Donc l'explosion de d'août 68 avec cette encyclique Humanae Vitae est pour nous absolument essentielle puisque, en fait, dans la commission de travail avec Paul VI, l'intégralité des évêques et cardinaux ont demandé à Paul VI de ne pas publier ce texte, de ne pas écrire d'encyclique sur ce sujet en disant que c'était une bombe et que les catholiques ne seraient plus catholiques en raison de ce document, sauf Karol Wojtyla, le futur pape Paul VI, le futur pape Jean-Paul II, qui 10 ans plus tard deviendrait donc pape et qui, lui, avait l'autorisation de venir, l'autorisation par le gouvernement communiste de l'époque, de quitter le rideau de fer, de passer de l'autre côté et de venir à Rome travailler avec Paul VI. Et pour Jean-Paul II, c'est ce qu'on retrouve dans cette encyclique Veritatis Splendor, en fait, l'enjeu n'est pas d'abord de considérer la morale, mais l'héroïsme. L'enjeu n'est pas d'abord de considérer la régulation des naissances, mais le martyr tellement reconnu par l'Église au long des siècles, d'hommes et de femmes, qui ont refusé des actes mauvais, intrinsèquement mauvais, pour donner leur vie au Christ, et qui parfois en sont morts. Donc l'enjeu de Paul VI, aidé par Karol Wojtyla, qui va devenir Saint Jean-Paul II, c'est précisément de saisir comment toutes les questions, y compris les questions sexuelles, sont ordonnées à la finalité, quelle est la bonté finale de notre recherche. C'est important pour vous que vous puissiez, comme catholique, comme jeune catholique, saisir qu'il y a une histoire et que l'histoire des écrits n'est pas simplement un positionnement X, Y, Z du pape qui, parce qu'il est pape, en profite pour faire valoir ses idées. Non, c'est le magistère de l'Église. Et Karol Wojtyla, devenant Jean-Paul II, 25 ans après Humanae Vitae,
publie Veritatis Splendor pour dire que, en fait, tout est fondé dans notre foi catholique sur le martyr qui, lorsqu'on le traduit en français, se dit témoignage. Donc parfois je n'aurai pas un martyr du sang, parfois oui, mais parfois j'aurai un martyr de la pensée dont je me rends bien compte que discuter en permanence avec mes amis qui me disent « oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas le droit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le droit ?» etc. Eh bien, nous fait toujours, en fait, être en borderline, en limite, en ligne de crête de « est-ce que je suis prêt au martyr? Est-ce que je suis prêt à ce témoignage jusqu'à l'exclusion, comme le Christ a été exclu au point de mourir sur le Golgotha en dehors des murs de Jérusalem ?» Parce que ce que dit Jean-Paul II, donc en 1993, c'est précisément que si on active la position morale par rapport à son ressenti, par rapport à ses actions, on passe de la vérité à la tyrannie de la subjectivité. Est-ce que c'est moi qui décide ce qui est bon ou mauvais ? Donc, l'enjeu fondamental, presque philosophique en vérité, c'est de savoir, y a-t-il une sagesse qui anime ma vie et cette sagesse est-elle orientée vers le bien absolu que je dis être Dieu ? Ou bien est-ce que chacun d'entre nous, ici autour de cette table, et chacun de ceux qui marchent dans la rue, prennent leur voiture, font des courses, rencontrent des gens, sont finalement des singletons n'appartenant pas à une communauté, mais vivant chacun pour soi en se disant « eh ben, si j'ai envie de faire cela aujourd'hui, c'est moi qui décide si c'est bon ou si c'est mauvais ». Et en tout cas, je décide de le faire sans prendre la mesure de mon appartenance à une humanité qui est sauvée par le Christ et en tout cas d'une humanité dans laquelle chacun a sa place et donc doit vivre selon des règles morales fondamentales. Si jamais on active ainsi ce positionnement moral, eh bien le martyr disparaît, le héros est mort, le saint n'existe plus. Et si tout cela disparaît, eh bien en fait, j'en oublie ma liberté. Ma liberté n'est pas fondée sur ce que j'ai envie de faire, mais elle est fondée sur, précisément, la vérité de ces actions qui me sont données de mener chaque jour et sans cesse en raison de la liberté que Dieu m'a donnée. Dieu ne dit pas à Adam et Ève, « Regardez, j'ai planté au milieu du jardin un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ne vous inquiétez pas, je fais en sorte que vous n'en preniez jamais. » Dieu dit, voilà l'arbre, n'en prends pas. Mais en disant n'en prends pas, il offre à Adam et Ève la liberté. Donc cette liberté est donc notre liberté, donc un acte de conscience permanent pour choisir le bien et le mal. Finalement, ce qu'on découvre à l'intérieur de ces documents du magistère de l'Église, c'est que c'est toujours Éden qui nous est proposé. Il y a toujours en face de nous un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'allons-nous cueillir? Est-ce que je cueille les fruits parce que je les désire? Ou bien est-ce que je suis capable d'un acte héroïque en disant « j'ai le désir de ce fruit, mais je ne le prends pas parce que je sais qu'il m'est interdit ou je sais qu'il ne me fera pas de bien ». C'est donc, si on avance un peu dans la Bible, Deutéronome 30, avec Dieu qui dit à Moïse « Je te propose aujourd'hui la vie ou la mort, choisis la vie ». Et puis c'est bien sûr la grande prière du Christ sur la croix qui dit à son Père, au moment où il meurt, « En tes mains, je remets mon esprit », qui est une citation du psaume 30, qui signifie que finalement la moralité de mes actes peut aussi s'inscrire dans la prière, et doit presque s'inscrire dans la prière. Comment est-ce que je prie le Seigneur pour activer ma liberté en fonction du projet de Dieu pour moi. C'est ainsi qu'on comprend que l'Église, du coup, est au service de la conscience. Elle nous appelle à utiliser notre raison. Et à quoi sert notre raison ? Eh bien, à chercher la perfection. Finalement, j'agis pourquoi ? Parce que je cherche le bien, et je cherche le bien parfait. Et quand je n'ai pas atteint ce bien parfait, je vois en moi la tristesse, la colère et la peur, qu'on va appeler les passions. Donc finalement, la raison, à quoi sert-elle ? Elle me sert à répondre
à notre vocation, à ma vocation. Je suis appelé à un bien toujours supérieur à celui que je vois, puisque Dieu, personne ne l'a jamais vu. Seul le Christ, le Fils éternel, nous l'a révélé, comme dit saint Jean dans le premier chapitre de l'Évangile. Alors je comprends que je peux recevoir l'autorité de l'Église en matière morale, non pas parce qu'elle me dit ce que je dois faire, mais parce qu'elle m'invite à dire « Regarde la liberté à laquelle tu es appelé, telle est ta vocation. Ma vocation, c'est la liberté. » Alors je peux aider tous mes amis, tous mes contemporains, sans même, vous le voyez bien, aller au début, alors parler de l'Église, du Christ, voilà, mais en leur parlant du bien et du mal et de leur recherche au fond de leur cœur de ce qui les habite. Et moi, je comprends que je reçois la grâce de Dieu qui m'accompagne dans ma vie de tous les jours, par la prière, par la vie sacramentelle, par la vie de l'Église, par l'enseignement de l'Église, par la fraternité. Alors je comprends que même si ma conscience n'est pas complètement éclairée au point qu'elle puisse se tromper, ni même donc totalement en vérité, c'est cette conscience, ma conscience que je dois suivre, car elle est le lieu objectif depuis lequel je peux me convertir, depuis lequel je peux supplier Dieu en disant « J'ai mal ici, j'ai mal orienté ma conscience, Dieu, je te demande pardon. » C'est le grand thème de la miséricorde dans Veritatis Splendor. Et je supplie que tu puisses à nouveau me permettre de devenir ton martyr, c'est-à-dire ton témoin. Ici, je me suis trompé. Ici, je demande pardon. Ici, je reconnais que ma conscience n'était pas complètement éclairée et que j'ai suivi ma conscience, parce que je n'en ai fait qu'à ma tête. Mais parce que je reconnais que j'ai suivi ma conscience, c'est depuis le cœur de mon cœur, depuis ma conscience, là où seul toi, Dieu, peut entrer et où personne d'autre ne peut entrer dans mon existence, que je peux alors chercher à nouveau le martyr. Donc la difficulté de notre temps, vous le voyez bien, c'est que la question du jugement moral pose celle du subjectivisme. Tout aujourd'hui est lié au sujet. C'est, vous le savez bien, le règne de l'enfant roi. Tout se développe aujourd'hui à partir de l'enfant roi, qui est une véritable tyrannie, non pas de ceux qui développent la logique de l'enfant roi, mais pour l'enfant. L'enfant roi devient tyran. Tu veux ça ou tu veux ça ? Vendredi dernier, en se promenant, en pèlerinant avec vous dans les rues de Rouen, en rentrant vers l'église Jeanne d'Arc, j'ai entendu une discussion à un feu de deux parents qui étaient avec leur tout petit enfant, qui était juste en âge de parler, où les parents disaient à la petite fille « Est-ce que tu vas avec papa ou est-ce que tu vas avec maman ?» Chacun y allant de l'argument paternel ou maternel pour permettre à l'enfant de prendre une décision. En fait, c'est de la tyrannie. C'est la tyrannie de l'enfant roi. Et moi, en voyant cette situation, je me suis dit, probablement, j'ai développé l'idée que je voyais, je me suis dit, probablement que ses parents sont divorcés, on est vendredi soir, fin de la semaine avec le père ou avec la mère et début du week-end avec le père ou avec la mère, comment est-ce qu'on fait pour se séparer l'enfant au moment de cet acte judiciaire qui a été posé sur la vie de l'enfant par un juge qui dit, du lundi au vendredi, c'est chez papa et du vendredi soir au dimanche soir, c'est chez maman. Et plutôt qu'on puisse dire « tu montes dans la voiture de maman pour aller chez papa » ou bien « tu vas directement avec papa pour aller chez lui pendant ce week-end », eh bien, on provoque un scrupule chez le tout petit enfant qui pense qu'on lui donne la possibilité de réagir et qui en fait va devenir un enfant triste qui se dira « je suis donc le responsable du divorce de mes parents. Je suis donc en charge morale de cette séparation de mes parents, puisqu'ils n'arrivent pas à prendre de décision à mon sujet et qu'ils me disent que c'est moi qui dois prendre la décision. » Donc l'enfant roi, en fait, est un enfant en immense souffrance. Et notre société est une société en immense souffrance, parce que plutôt que l'on nous présente une autorité qui viendra nous dire « c'est là que j'engage ma liberté », on nous bloque dans une incapacité à effectivement dire que nous avons besoin d'une autorité. Donc effectivement, nous comprenons que c'est désormais le règne du sujet et non pas le règne de la conscience. C'est le dernier qui parle qui a raison. C'est la dernière idée qui passe par la tête qui est la bonne. Et donc il y a ici un problème de comportement qui les rend fondamentalement erronés parce qu'on comprend que leur choix
parce qu'il va bien falloir en faire un choix à un moment, est fondée sur un désordre de la volonté. Ses parents sont en souffrance l'un avec l'autre, ils se séparent, mais ils ont un enfant. Plutôt que de décider l'un et l'autre comment engager leur conscience, ils obligent l'enfant qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens à prendre une décision qui va être pour lui une décision catastrophique de séparation dans son cœur de son papa et de sa maman, dont il aura dû faire le choix, lui, parce que son père et sa mère n'auront pas voulu faire ce choix. Nous avons donc besoin, on le voit bien, d'être enseignés pour que cela donne une structure à notre vie et que cette structure que nous entendons, eh bien, elle va donner un positionnement à la vie de l'Église et à la vie du monde. Ce n'est pas intolérable de dire ce que nous devons faire, mais c'est au contraire fraternel. C'est la fraternité que l'Église nous enseigne par son enseignement moral. Cela permet, dit le Saint-Père, la convivialité humaine et même la compréhension de notre égalité entre hommes. Parce que si ça n'est que le sujet qui décide de la totalité des actes pour lui-même, mais pourquoi l'autre serait-il un frère? Pourquoi l'autre serait-il un égal? Je vais donc subjectivement décider que je suis le seul à pouvoir décider des choses pour ma propre vie sans prendre en considération l'autre. Donc la force des propos de l'Église, c'est justement que parce qu'il y a des martyrs qui ont donné leur vie pour ne pas commettre un seul péché mortel, c'est qu'ils nous sont donnés comme des exemples de sainteté, comme des exemples de héros qui sont allés jusqu'au bout de leur conscience, qui nous est donné en exemple. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que vous avez d'un côté ces héros, ces martyrs, ces saints qui nous élèvent et nous encouragent, nous aussi, à faire des choix toute la journée en fonction de notre conscience et pour bien agir en liberté. Et ce que nous savons, c'est que la fin de tout, c'est notre rencontre avec le Père miséricordieux. Puisque Jésus lui-même, sur la croix, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc Jésus nous révèle, sur la croix, que la mise à mort par les hommes du Fils de Dieu n'empêchera pas la miséricorde de Dieu. Et donc, nous pouvons donc plonger notre vie entière dans cette miséricorde de Dieu, reconnaître humblement les fautes de notre vie en disant que bien des fois, nous avons agi subjectivement, sans prendre conscience ou sans prendre le choix de l'autre, et que néanmoins, par cette reconnaissance de nos fautes, eh bien, nous pouvons nous plonger dans la miséricorde de Dieu. Sinon, nous empêchons la société de sortir du subjectivisme, du relativisme, du positivisme, ou de l'utilitarisme, ou encore du pragmatisme, c'est-à-dire de ces cinq éléments qui sont tous déclinés très très longuement dans cette encyclique, mais comme vous connaissez tous ces chapitres par cœur, je ne vais pas m'étendre dessus. Donc finalement, soit tu orientes ta vie sur la négligence de ta conscience, soit tu l'orientes vers l'héroïsme et la sainteté. Vous voyez la différence? Donc soit ta vie est une vie de négligence, tu dis « c'est pas grave » ou bien « c'est pas important » ou bien tu discutes de ces actes que tu as commis, soit tu recherches la sainteté que Dieu te promet. Et c'est pour cela qu'immédiatement après la question de la moralité des actes humains, l'Église nous présente cette page sur la moralité des passions. Ce sont donc les numéros 1762 à 1775. Vous voyez, très peu de numéros, mais qui sont extrêmement lumineux pour chacun d'entre nous. Parce que ce qui est extrêmement lumineux, c'est qu'en fait, toute la journée et en permanence, nous sommes, nous les catholiques, attaqués sur la morale catholique, dont on nous dit que l'Église ne cesse de condamner, que tout est transgression. On a donc un travail de transmission et d'éducation absolument essentiel. Pourquoi ?
Si vous regardez ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur la moralité des passions, je vous dis juste la première phrase. La personne humaine s'ordonne à la béatitude par des actes délibérés. Les passions ou sentiments qu'elle éprouve peuvent l'y disposer et y contribuer. Donc nous, quand on se fait attaquer sur les passions de l'homme, on est toujours en train de penser aux passions désordonnées. Or, ce que l'Église dit, c'est que les passions ou ces sentiments qui nous habitent sont ordonnées au bien. Elles sont ordonnées au bien, toutes. Donc c'est véritablement notre mission de montrer que le vocabulaire de la passion est un vocabulaire chrétien. Et si c'est un vocabulaire chrétien, c'est qu'il peut être habité par la bonne nouvelle de Jésus-Christ qu'on appelle l'Évangile. Donc quand on parle de passion, on parle de notre patrimoine religieux. Et c'est à nous de pouvoir rejoindre nos amis avec leur passion, ordonnée ou désordonnée, en leur disant « je te comprends ». Parce que mon Sauveur, Jésus, a vécu la passion. Je te comprends. Je sais ce que cela signifie pour toi. Je sais ce que signifie, et le Christ sait ce que signifie, la colère, la tristesse, l'angoisse, la recherche du bien, le combat pour le bien. Je sais tout cela. Et nous savons tout cela. Et nous ne sommes pas, comme chrétiens, extérieurs à l'humanité. Nous vivons tout cela. Et l'incarnation du Verbe éternel, du Fils de Dieu, est une incarnation pour vivre nos passions. Et le Christ a vécu toutes nos passions. Et notre grâce, c'est de le connaître et de savoir que l'orientation volontaire de la conscience du Christ, c'est cette orientation de ses passions à lui, vers le bien supérieur qui est Dieu son Père, comme chacun d'entre nous. Donc, quand le Christ, à la suite de Dieu, nous dit son Père, « Soyez saints comme je suis saint », c'est « Ordonne tes passions, quelles qu'elles soient, au bien supérieur qui est Dieu ». Alors, effectivement, je comprends que toutes ces émotions qui font ma vie, dont on parle tout le temps, c'est les têtes de gondole dans les FNAC et les SNCF pour prendre en 100 pages, quand on fait un Rouen-Paris, un petit bouquin qu'on va lire en disant les accords Toltec, les passions, comment chasser la tristesse de mon cœur, etc. Et nous, ne disons pas qu'on va les chasser, on dit qu'on va les ordonner au bien supérieur qui est Dieu. Alors je comprends qu'effectivement, la passion, eh bien, me dit passage. Si je dis passage, eh bien, en grec, ça se dit Pâques, ou en hébreu, c'est la Pâque. Chaque passion est l'occasion d'un passage. Chaque passion est l'occasion d'un passage de la mort à la vie. Je vais ordonner à la vie cette passion que, pour l'instant, j'ai ordonnée à la mort. La tristesse qui habite mon cœur est une passion. Est-ce que je l'ordonne à Dieu ? La colère qui habite mon cœur parce que je sais que j'ai mal agi est une passion désordonné, comment est-ce que pendant le carême, je travaille à l'ordination de ma colère au plan de Dieu ? L'angoisse que je vis tous les jours par rapport à mon avenir est une angoisse désordonnée, parce que je vois bien qu'elle n'est pas ordonnée à un bien supérieur. Comment est-ce que je demande au Seigneur dans la prière, et avec mes frères et sœurs, et avec l'enseignement de l'Église, à ordonner cette angoisse pour qu'elle soit inscrite dans le plan de Dieu et la recherche du bien supérieur ? C'est donc quand on parle des passions, qu'on parle du cœur de l'homme avec le sang qui y circule, qui va et vient. Ce sang, c'est le sang de ma vie, c'est aussi le sang du Christ. Quand je vais à la messe et que je communie au corps et au sang du Christ, je communie à la passion du Christ et je demande par ma communion au Christ à communier à sa propre passion pour ordonner mes passions à moi, à la passion du Christ, qui est un martyr de Dieu, pour m'orienter complètement vers Dieu son Père. Alors je comprends que la passion des passions, c'est l'amour. La passion des passions, c'est l'amour. Elle est absolument fondamentale, parce que c'est en moi l'attrait du bien. Pourquoi est-ce que la passion des passions, c'est l'amour ? C'est parce que quand je ne l'ai pas, je suis en manque. Et donc si je suis en manque, eh bien je vais faire que toutes les passions de mon existence, tous les sentiments de mon existence soient ordonnés à combler ce manque. Je cherche l'amour. Ce que Dieu dit à l'homme et la femme en livre de la Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu pose dans le cœur de l'homme la recherche de l'autre pour qu'effectivement l'autre, donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur Veritatis Splendor, pour que l'autre soit intégré au plan de ma vie. Alors je saisis qu'effectivement j'entre dans l'espérance quand je cherche à combler ce bien qui me manque. Et quand l'amour me manque, eh bien,
par tous les moyens, je vais chercher une attirance qui va me permettre de combler ce manque. Alors, je découvre que la passion des passions développe dans mon cœur de la joie. Et quand nous cherchons à aider nos amis, nos contemporains, nos collègues de classe, etc., machin, eh bien, regardons avec eux d'abord si la joie habite leur cœur. Et si la joie n'habite pas leur cœur, c'est qu'en fait, il y a un manque. Et donc, il leur manque l'amour. Et nous, nous savons que nos amis qui ne connaissent pas le Christ, il leur manque la finalité absolue de leur existence. On ne peut pas leur dire tout de suite, parce qu'ils ne sont pas du tout prêts à ça. Donc, avec gradualité, c'est-à-dire avec des degrés d'accompagnement dans leur formation intellectuelle, spirituelle et humaine, eh bien, nous allons faire en sorte qu'ils puissent découvrir cette fidélité que nous, nous connaissons et qui est une grâce, puisque la foi est un don de Dieu. Alors, effectivement, je reçois dans mon cœur et dans ma vie tout entière une joie que rien ni personne ne pourra jamais retirer. Alors, je comprends pourquoi, quand je fais le mal, je développe de la haine, de la jalousie, de la rancœur, du désir de vengeance, l'aversion de l'autre, et que mon cœur est habité par la peur et la colère. Comment donc me convertir à cette transformation, à cette évangélisation de mes passions? Eh bien, en entendant ce que l'Église me dit, qui est de dire « fais le choix d'aimer ». Fais le choix d'aimer. Quand tu es habité par la colère, fais le choix d'aimer. Quand tu es habité par la rancœur, fais le choix d'aimer. Quand tu es habité par le désir de vengeance, fais le choix d'aimer. Parce que tu vas comprendre que ta volonté va être ordonnée au bien de l'autre. Parce que tu vas comprendre que ta volonté va être de chercher la joie qui, pour l'instant, a disparu de ton cœur. Et cette joie, tu voudras la donner aux autres. C'est donc que la source de toutes les affections, l'amour donc, hein, c'est donc l'amour est donc la source de toutes les affections de notre cœur. L'amour est la source de tous les sentiments de notre cœur, y compris la colère et la peur, qui sont en creux. Et je comprends alors que je ne veux pas être dirigé par la colère, la peur, l'angoisse, la vengeance, la dérision et l'aversion, mais que je veux être dirigé par l'amour qui va venir progressivement habiter chacun de ses sentiments et chacune de ses passions, que je vais avoir le désir d'ordonner à Dieu. Le grand mouvement originel de l'homme, ce n'est pas le péché, c'est l'amour. Nous ne sommes pas créés, Adam et Ève ne sont pas créés avec le péché originel. C'est un acte de leur volonté qui fait que nous sommes, nous, par génération, marqués par le péché originel. Mais nous sommes d'abord et avant tout marqués par la page 1 de la Bible, à savoir que Dieu qui dit que ce que nous sommes, c'est très bon. Donc, le grand mouvement originel de l'humanité, c'est l'amour. C'est à la page 2 qu'il y a le péché. Et quand on nous bloque en nous disant « Regarde ce que l'Église dit, ta 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 », eh bien, c'est à nous de dire à nos contemporains « Est-ce que tu as déjà pensé à la source originelle de ta vie, qui est l'amour. Pourquoi passes-tu directement à la page 2 ? Quelle est ta peur ? Quelle est ton angoisse ? Quelle est ta colère ? Pourquoi ne laisses-tu pas ta colère, ta peur, ton aversion, ton angoisse être habitée par l'amour de Dieu ? Et par l'amour tout court si tu ne connais pas Dieu. Donc tout l'enjeu de notre vie, je termine ici, c'est que notre raison règle nos passions. Nous avons effectivement une raison, nous avons donc notre volonté qui va pouvoir régler nos passions. Parce que les passions, nous nous rendons bien compte, en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Nos sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Leur qualification morale relève de leur usage par notre raison. Si j'ai peur et que j'utilise la peur pour faire mal à l'autre, eh bien effectivement, cette passion de la peur est une passion qui est... va devenir mauvaise, ce sentiment va devenir mauvais. La passion, c'est donc le réservoir inépuisable de ces images et de ces affections où s'exprime la vie morale. Toutes les passions sont le réservoir inépuisable. C'est pour ça que ça ne s'arrête jamais. Et que dans une même journée, je peux passer avec des sentiments quasiment à l'infini du positif au négatif, que cela n'a pas de raison d'affecter l'amour qu'il y a en moi. Mais au contraire, en faisant passer ces passions et ces sentiments par le crible ou le filtre, si vous voulez, de l'amour, eh bien, je vais
permettre à mon âme entière de faire des choix en conscience qui seront des choix éclairés par l'amour. Alors je sortirai de ce subjectivisme qui n'est finalement qu'un poison pour mon âme et j'apprendrai à être illuminé par l'amour. Tout cela est donc assumé, nous dit l'Église, par les vertus ou perverti dans les vices. Si tout cela peut être assumé par les vertus ou perverti dans les vices, l'Église nous dit, c'est la raison pour laquelle le Christ dit « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit » parce qu'il est habité par l'Esprit Saint et que notre prière à l'Esprit Saint, c'est cette supplication permanente qu'il vienne au secours de notre faiblesse parce que nous allons supplier sa charité, c'est-à-dire son amour, pour tout notre être. Pour tout notre être. Et que voyons-nous quand nous voyons la passion du Christ ? Eh bien, nous voyons le Saint-Esprit à l'œuvre qui ordonne toute la vie du Christ à Dieu, qui ordonne toute la vie du Christ à la volonté du Père, alors qu'il pleure et que c'est un sentiment de grande souffrance, alors qu'il est à l'agonie et que c'est insupportable, alors qu'il est rempli de tristesse et d'angoisse. Eh bien, rien ne nous dit dans l'Évangile que tristesse, pleurs, angoisse, agonie sont contraires à l'œuvre de Dieu. Le Christ ordonne ces tristesses, ces pleurs, les larmes de sang, cette transpiration de gouttes de sang à l'œuvre de Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors je comprends que toutes ces passions qui sont en moi, que parfois je qualifie de belles ou de pas belles, ce n'est pas à moi de les qualifier, mais c'est à moi, parce que je les reconnais, de les ordonner en priant l'Esprit Saint pour être habité de ses vertus, pour effectivement comprendre que comme le Christ, tout en moi, y compris les passions et les sentiments, peut être orienté vers et par la charité. Le Christ le redit par ses passions et il le vit dans sa passion. Alors je comprends effectivement que ma vie entière, y compris et pas seulement pendant le carême, est une vie de passage, c'est-à-dire de passage de la compréhension de que tout ce qui m'est donné est donné par Dieu, y compris les choses qui peuvent me faire mal, parce que je peux les orienter à sa volonté pour être saint comme il est saint. Merci.